Bonjour, mon nom est Hélène Théolis, spécialiste d'applications PDM au soutien technique chez SolidExpert. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un modèle de dossier dans PDM. Un modèle de dossier permet d'automatiser la création d'une structure de répertoire lorsque vous créez, par exemple, un nouveau projet. Si vous voulez que tous vos projets aient la structure suivante, vous pouvez automatiser ceci avec un modèle de dossier. Avec les modèles, vous pouvez nommer les fichiers et dossiers et remplir les cartes de données. Mais pour cet exemple, je vais seulement vous montrer comment créer une structure de répertoire. Dans l'outil d'administration, faire un clic droit sur « Modèle », choisir « Nouveau modèle » et suivre les étapes. Donner un nom au modèle, c'est le nom que les usagers verront dans leur menu contextuel. Ensuite, nous allons utiliser les permissions de l'utilisateur connecté. Les usagers doivent avoir le droit de créer des dossiers et fichiers dans la voûte. Nous n'utiliserons pas de carte de modèle pour l'exemple. Puis, dans Fichier dossier, c'est là que nous allons créer la structure de répertoire voulue. Nous allons commencer par créer un nouveau dossier racine projet, puis des sous-dossiers avec le nom du projet, d'autres sous-dossiers qui s'appellent CAD et documents, et sous-documents, nous allons créer deux autres sous-dossiers pour les courriels et spécifications. Pour le nom du projet, nous allons créer une variable et demander à l'utilisateur d'entrer un nom de projet. À l'étape suivante, il faut choisir une icône pour identifier le modèle. Ici, nous choisissons l'icône standard de PDM. Finalement, nous assignons les permissions aux usagers pour avoir le droit d'utiliser le modèle. Dans PDM Explorer, en faisant un clic droit, dans le menu contextuel sous « Nouveau », vous pouvez voir le nom de votre modèle. Vous entrez un nom de projet, puis la structure définie est créée. J'espère que vous avez apprécié cette minute technique.